Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Et merci pour tout. Merci pour tout. Félicitations. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions trois candidats, et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir des préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabuya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser les gouvernements, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans les programmes du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans le Turi, il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquelles elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays.